parler du président Émile Loubet, l'artisan de l'entente cordiale. Le roi Édouard VII lui disait à Paris en 1903 « Notre grand désir est que nous marchions ensemble dans la voie de la civilisation et de la paix. » 1903, messieurs. Qui est considérable et qui restera à son honneur d'avoir tracé la route et à une heure où les passions les plus folles faisaient une sorte de barrage entre les deux pays, il aura eu cette clairvoyance de démontrer que la Grande-Bretagne et la France ont le même idéal, la même conception de la vie des hommes, la même conception de la vie individuelle, et il restera comme un titre de gloire et lustre d'avoir tissé le premier entre ce grand empire et la République française des liens qui sont demeurés et qui demeureront invérissables.